Médiatico en direct du 5e Grand Prix de la marque engagée remis ici sur le Salon Pro Durable et on est pour la remise du trophée du produit engagé, on est avec David Laramindi et avec Sylvain Ferry. Alors David Laramindi, vous êtes directeur général de M6 Publicité et on sait que 85% des Français attendent dans la publicité, attendent des marques qu'elles communiquent sur leur engagement. Comment est-ce que vous absorbez, vous traitez cet enjeu-là chez M6 Publicité? Nous on le fait de plusieurs façons, on le fait d'abord par tous nos espaces publicitaires qui sont à leur disposition. Et puis on essaye d'aller au-delà de ça. Alors on le fait avec des écrans spéciaux dédiés dans lesquels il n'y aura que des spots RSE et on met en avant ces écrans avec un jingle qui permet d'interpeller le téléspectateur. Et puis on le fait aussi avec des opérations spéciales en associant nos marques et nos animateurs à des annonceurs et à ce type de campagne RSE ou autre. De votre côté, Sylvain Ferry, vous êtes le directeur général de Biocoop et il se trouve que Biocoop s'engage à lutter contre l'ultra-transformation des produits alimentaires bio. C'est déjà un peu surprenant d'imaginer qu'il peut y avoir des produits ultra-transformés dans le bio. Et est-ce que vous pensez que le consommateur a compris votre démarche et est-ce que ça se traduit aussi en développant du chiffre d'affaires de Biocoop puisque vous êtes engagé dans cette démarche? Nous, aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà de travailler sur l'ultra-transformation sur nos produits Biocoop, on travaille sur trois grands axes. Le premier axe, c'est développer la transition écologique sur nos produits, relocaliser les filières bio, faire du bio français avec des TPE, des PME et des ETI. Notre deuxième axe, c'est développer l'économie sociale et solidaire et le commerce équitable. Donc 62% de nos produits Biocoop, à marque Biocoop, sont issus du commerce social et de commerce équitable. Et puis effectivement, notre troisième axe, c'est de pouvoir revenir à des produits qui soient plus naturels, qui soient plus proches de ce qu'est réellement le produit agroalimentaire. Et donc, en supprimant l'ultra-transformation, en supprimant tous les ingrédients ultra-transformés, on revient sur des process agroalimentaires plus naturels qui font des produits meilleurs, qui font pas forcément des produits plus chers, ils peuvent être aussi moins chers. Et ça, nos clients, aujourd'hui, ils y adhèrent. Meilleurs, bio, à des prix justes, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, correspond à la demande de nos consommateurs en France. Et donc, ça augmente votre chiffre d'affaires d'être une marque encore plus engagée? Alors, aujourd'hui, de toute façon, nous sommes une entreprise sociale et solidaire très engagée. Notre but, aujourd'hui, c'est que le projet bio soit un projet le projet majoritaire en France et pas un projet minoritaire. Et donc, notre consommateur le sait et vient chez nous parce que nous avons cette démarche engagée globalement. Merci beaucoup pour ce témoignage. Félicitations pour votre trophée du produit engagé ici au 5e Grand Prix de la marque engagée.